Wow. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubol. Conflit entre pasteurs au Nigeria, est-ce réel? Si vous ne savez pas, cette vidéo va vous donner toutes ces informations. Car depuis la mort du Tibi Yeshua, on a vu des choses. On a vu par exemple un pasteur qui s'est levé en train de célébrer la mort du Tibi Yeshua. Là, c'était clair que il n'aimait pas la tête de Tibi Yeshua. Et ce pasteur qui est ici, il a des choses à dire, surtout en ce moment-là même où nous sommes, où les gens sont en train de célébrer Tibi Yeshua dans son église. Il a décidé de parler aussi et de dire la vérité sur la jalousie qui règne entre pasteurs, sur la rivalité qui règne entre les pasteurs. Et souvent, vous cherchez le diable très loin, alors qu'il se trouve près de vous. Il parle en anglais? J'essaierai de faire la traduction pour vous. Écoutons. L'ennemi du policier, c'est un policier. L'ennemi of a pastor is a pastor. Et l'ennemi du pasteur, c'est un pasteur. And when Jesus said a man's enemy shall come from his own household, sometimes we don't understand the meaning of that scripture. Sometimes we are looking for devils souvent on recherche le diable and demons et le démon and we think they are in hell et on pense que ils sont à l'enfer they are sometimes sitting close to us mais ils sont très souvent proches de nous or around us ou autour de nous and we don't know mais nous ne savons pas. Verse 14. This is my anchor scripture. We took sweet counsel. We took what? Is it? Non, il demande de prendre Psaume 55, verset 14. Tu vas essayer de prendre ça aussi. Attendez. Ok, j'ai pris le psaume, voilà, c'est tout dans mon portable ici. Psaume 55, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. C'est ce qu'il va dire ici. Écoutez. C'est bitter counsel. That means we talk very well. We even talk. Il dit que cela veut dire que nous parlions bien ensemble, nous communiquons bien. Counsel each other. We quoted scriptures together. Nous faisons les choses ensemble. And we walk into the house of God. Please, what? Together, in company. Là, il veut nous montrer comment vivaient les disciples de Jésus-Christ. J'ai dit qu'ils vivaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, et ils allaient même à la maison de Dieu ensemble. Psaume 55, verset 14, vous pouvez lire ça aussi. Vous allez découvrir comment nous sommes censés marcher. Oui. I begin to ask myself. Je commence par me poser moi-même des questions. Jesus, why have you delayed in your coming? Then I knew why he delayed. The early disciples would say, Maranatha, he comes. Maranatha, he comes. The reason why we no longer have Maranatha in the mouth and the lips of Christians is because there is wickedness. Du coup, nous n'avons pas toutes ces choses parce que, à cause de notre méchanceté. We speak in tongues and we do wickedness. On parle, mais nous faisons des choses très méchantes.
We pray and we do wickedness. Nous prions, mais nous sommes très 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 méchants. We fast and we do wickedness. I'm sorry, I'm a man of God. Je suis désolé, hein? Je suis un homme de Dieu. But I want to say this. Mais je vais dire ceci. The greatest people who will miss heaven might not even be members. Il dit que les plus grandes personnes qui vont manquer le paradis, ce ne seront pas les fidèles, les membres de l'église. It might be pastors. Ça sera les pasteurs. The ones who climb the altar, who minister from the altar, the leaders, les leaders in the church, les leaders de l'église, who serve in the lady councils. Because I have seen that the reason why it's so difficult to win more souls in this end time. The altar has been polluted. The altar has been broken. The utterances are lectures. The words are hypocrisy. The hearts are far. The soul are tied to wickedness. The Spirit of the Lord has left the church. Ouh, il dit à cause d'un cœur qui est vraiment très méchant, l'hypocrisie qui règne. Même le Saint-Esprit les a quittés. Ni le Saint-Esprit a quitté l'Église. But has actually taken place. That's why sometimes the Lord is in a hurry to take the few righteous ones. You call it death, but God is just trying to take the few ones that are righteous before they become corrupt. I'm not afraid. If God called me home now, I'm not afraid. The reason is because I have seen in Nigeria, the highest amount of churches in Nigeria, in the world, when you want to talk about the growth spiritually, is in Nigeria. But the growth spiritually is in Nigeria. God indeed loved this country. Without apology, there is wickedness in the body of Christ in Nigeria. Il dit qu'il y a vraiment la méchanceté dans le corps du Christ au Nigeria. The ones who preach holiness are vampires. The ones you think are righteous, they have so much schemed, you will never see blood in their mouth. Their hands are so pure, they can make an angel look like a devil, and they, with the black garment, they look like angels. It is the body of Christ who will leave the devil and fight themselves. It's the body of Christ that can protect an herbalist and kill a prophet. It is in the body of Christ that when souls come to the church and the church increases, another pastor gets angry. Oh, il explique la méchanceté qui règne dans l'église. Et il explique en même temps que c'est dans le corps du Christ, quand beaucoup de personnes viennent de l'église d'un pasteur, un autre pasteur est fâché. He no longer sees the increment of souls in the church as the gospel being preached and souls being won for the kingdom. It is in the body of Christ that one pastor wants to be better than the other and will do anything to kill the other. It's in the body of Christ. We have people whose hearts have been so polluted. The flocks are no longer fed with the word of God. We don't feed them with God's word. We feed them with the spirit of maliciousness, denominations, partition. We have become separatists in the body.
It is in the body of Christ. You can walk to the mosque and pray and not feel afraid. But you can stay around pastors and be afraid to be poisoned. Sometimes I wonder the heaven we go to. Wickedness is so high. Hey, il explique comment des fois les pasteurs là-bas, eux, ils sont méchants. Souvent même, quand vous êtes invité à une cérémonie là-bas, vous avez peur d'être empoisonné. Tellement les gens sont devenus très méchants. Et le niveau de méchanceté est devenu très élevé. That some people will hate a prophet in his lifetime, even after God has called him home, they will hate him. And then they will hear, you hear them talk about eternal life, salvation. They make altar calls and invite souls to Christ and even cry on the altar. And yet, they can't forgive a man whom God has called like them. Et il parle, il dit, comment vous faites pour amener les gens à Christ et leur parler du salut? Oui, le salut. Si vous ne pouvez pas pardonner à un pasteur ou un prophète qui est mort, qui est retourné à Dieu, comment vous ne pouvez pas lui pardonner? Vous, comment ne pouvez-vous pas lui pardonner ses péchés? Sometimes I ask, who are we deceiving? Are we deceiving ourselves? Are we deceiving who? I weep. Tu vois, il se demande, mais qui est-ce qu'on trompe? On se trompe nous-mêmes ou on trompe les gens? For the church that we have in our church. I'm not going to be shocked when we get to heaven. And I see many members in heaven. And I see many bishops, prophets, pastors, apostles, teachers in hell. Et il dit qu'il ne sera vraiment pas surpris de voir beaucoup de monde de l'église au paradis et beaucoup de pasteurs, des enseignants en enfer. I will not be shocked. Et il dit que vraiment, je ne serai pas choqué. Now I know why. Maintenant, je sais pourquoi. It's only in the body of Christ that a general can be injured and we will take cutlass to kill him the more. The love is not there. It's only in the body of Christ we will punish a man that God has forgiven. Est-ce que c'est le corps du Christ qui punit un homme que Dieu a pardonné? Only in the body of Christ we cage a soul that God has set free. It's only in the body of Christ we have fathers who preach one thing and do the other thing. Maranatha. The enemy of a pastor is a pastor. L'ennemi du pasteur, c'est un pasteur. Mais voyez ça, ce qu'il a dit, c'est pas de la blague. C'est la triste réalité. Le diable se trouve à l'église. Il y aura beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu en enfer. Et les membres de l'église, beaucoup seront au paradis. À cause de la haine. La haine qui se trouve dans le cœur de certains pasteurs. Quand l'église de l'autre, quand l'église d'un pasteur commence à se remplir, un autre pasteur là-bas est fâché. La haine. Quand Tibi Yeshua est mort, un autre pasteur s'est levé là-bas pour célébrer la mort de Tibi Yeshua. Comme je vous l'ai dit, nul n'est parfait. Moi, je ne peux pas vous dire que Tibi Yeshua est un vrai ou pas, mais on ne sait jamais ce qui s'est passé au dernier moment, au dernier instant de la vie d'une personne. Donc, on ne peut pas venir comme ça pour dire que Tibi Yeshua est un enfer. Mais je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est que le Saint-Esprit a quitté l'église. L'église que vous voyez aujourd'hui là, tant que vous le voyez comme ça, faites attention. Il y a beaucoup de démons là-bas. Le diable possède beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Il y a des choses à dire. Jésus, Seigneur, que Dieu nous donne l'onction et la force
Tout ce qu'il nous faut pour révéler cela aux gens afin qu'ils puissent changer, tandis qu'ils sont vivants. Parlez aux gens, parlez aux gens, parlez aux pasteurs. Parlez aux pasteurs, les membres de l'Église, priez pour les pasteurs, priez pour ces gens. Ils sont en train de se perdre. C'est la guerre, la concurrence entre eux. Qui a l'argent plus que qui a plus de pouvoir plus que qui a plus de puissance plus que qui a plus comme ça plus que qui. C'est ça la sorcellerie maintenant. Il se faut la guerre. C'est devenu un gang. Ouais. Voici ce que vous ne savez pas sur les pasteurs. Révélation. Je vous donne rendez-vous au prochain vidéo. Restez toujours connectés sur ce point.